Bonsoir à toutes et à tous, c'est Nex et Asatoukun. Bonsoir. Ou Asatoukun et Nex, comme on dit quand on est poli. Exactement. On se retrouve en cette magnifique soirée, journée, je ne sais pas, pour ouvrir. Alors, je ne l'avais même pas centré. Après-midi. Oui, après-midi. pour ouvrir le coffret de Dresser d'Elite ou l'ETB. Pashiraja, donc de Clash des Rebelles. Alors je vais soulever le trépied et vous montrer car on n'a pas assez d'auteur. Donc voilà, on va s'ouvrir ça tranquillement. Donc les ETB contiennent pas mal de trucs. Donc comme on l'avait déjà dit en ouvrant les premières ETB de épée et bouclier, c'est vraiment essentiellement pour vraiment les joueurs de cartes Pokémon. Donc nous on ne joue pas mais on collectionne énormément et les ETB c'est quand même très sympa. Donc nous avons pour commencer un petit livret avec les ultras de la collection entre autres hein, et après même toute la collection si je vais un peu plus loin je crois. Oui voilà, donc on a toute la collection, c'est stylé. On va avoir le Milobelus, voilà j'annonce, on va avoir le Milobelus. Ah ouais. Et le Pyrobut VMAX. Il y a mieux, franchement il y a mieux, avant qu'il y en ait une beau plutôt. Oui, c'est vrai, après les Rainbow, c'est bien. On va faire une incantation pour. Les Rainbow. Pelle de neige au gold. Pelle de neige. Oh, ordre du boss. Je veux ça. Ordre du boss. Hop. Moi j'aime bien en vrai les trainers Rainbow. Ouais, cela dit, elle est plus belle en flirt que. Ouais, ouais. Ouais, ordre du boss Rainbow. Non, moi je. J'aime bien Salarsen. Oui. J'aime bien Salarsen. Donc voilà. Il y a énormément de choses à avoir, évidemment on ne pourra pas tout avoir là-dedans. Mais surtout le plus important c'est qu'il y a 8 boosters. Il y a 8 boosters, alors avant ça. Après ça fait toujours des items sympas pour un collectionneur. Exactement, on a... Oui mais t'as un livret de règles. Ouais, il n'y avait pas hein. Non. Ah ben peut-être nouveauté, je ne sais pas. Oui, nouveauté. Eh ben nouveauté, si à certains qu'on dit nouveauté, c'est que c'est nouveauté. Un livre des règles, si vous jouez bien évidemment. Ah lourd en vrai. Des marqueurs de dégâts, très importants quand vous jouez, des petits dés sympathiques. C'est pas les plus beaux, ceux-là. Hein. Pas les plus beaux, mais ils sont après, sympas. La box, c'est une box pour Shiraja, donc faut pas chercher non plus. Ouais, mais bon, après... Ça aurait pu trouver un Pokémon plus stylé, genre, après, tu prends un Salarsen ou... Non, pas Shiraja. Il aura le droit un jour à sa box Salarsen. C'est pas rien, parce que bon, pas Shiraja, c'est pas que je l'aime pas, mais... Attends, c'est dégueulasse, c'est pas Shiraja, Gigamax, attention. Oh, fou, là, c'est un putain de bloc, le truc, avec une trompe. Oui. Oui. Bah une fois que t'as toqué, c'est trop tard. Samis, tu m'as dit toque avant. Merci. Je m'en rire. Gardien ascendant. Ils sont en retard, hein. Bah c'est bien quand même. Vas-y, j'ouvre après. Merci, maman. Mort de rire. Merci, maman. Des séparateurs de deck. Pas cher déjà, ouais, c'est joli. bon, c'est vrai plus que important. C'est vrai que c'est pas l'ETB la plus belle, mais au moins c'est une ETB. Oui. Le plus important, d'ailleurs on va concentrer toute la vidéo sur ça, le paquet d'énergie. On va regarder s'il n'y en a pas une buggée. Et alors, vraie info, drôle ou pas, ils vendent des boîtes, genre assez grandes, avec que des énergies dedans. Et oui, j'ai vu hier en plus. Ok, c'est ouais c'est vrai, ça m'a pas marqué de ouf, mais c'est vrai que j'ai vu hier. Et un paquet de pochettes, oula, je vais tout niquer. Oula, on parle pas mal, hein, débit, attention. Pashiraja. Que je vais garder précieusement à côté de moi, car on a plus beaucoup de pochettes. En vrai, si tu peux m'en passer. Allez où? Allez, utilisez ce code, comme ça, vous aurez tous les items de la box. Ouais, passe-moi 106. 7. Tiens. Ah, merci. Alors, ouvrons ces 8 boosters. Alors, avec de très belles illustrations. Hop. Alors, si je puis me permettre, c'est vraiment de la merde ces pochettes. Oui. Genre, la qualité, c'est de la merde, tout simplement. Ouais, les pochettes des ETB, c'est pas ouf, hein, mais bon. C'est mieux que rien. C'est comme ça qu'on dit. Du coup, on a la magnifique illustration Salarsen, le Lézargus, le Pyrobut et le Gorythmique. Sachez que c'est mes premiers boosters. Clash des Rebelles. Sérieux? Oui, okay. J'en ai pas ouvert encore. Donc je suis content. On va attaquer dès maintenant. Et j'espère qu'on va piocher du lourd. Parce que la dernière OCD que j'ai ouverte. Ça va, c'était ok tiers. C'était vraiment ok tiers. Genre, on a eu des trucs. Enfin, on a eu un truc.
Mais donc voilà. Que celle que j'ai ouverte sur ma chaîne, allez check, elle était vraiment incroyable. Je vous assure que c'était incroyable. Donc allez check, foncez les mecs. Alors on a le Meditica, Moumoufouette, Larvibule, Goïs, Natou, une énergie haut, Aflamme Noir, Morpeko qui est super joli. Putain, j'avoue, il est vraiment très beau, je l'ai pas eu. Ouais, bah en même temps, on n'a pas énormément de cartes de la série encore. C'est vrai, mais j'en ai ouvert pas mal en moyenne. Oui. Mais bon, quand tu vois que la série elle fait quoi, 4500 cartes. Ah, elle fait que 192 cartes. Sérieux? Ok. Ouais, mais il compte pas les. Ah, mais combien de secrets? Voilà, exactement. Hop, épuisette de rappel. Ouh, Bizarre Roi. Rare Reverse, décidément. J'ai énormément de Rare Reverse. Hein. Mais vraiment. C'est bien ça, hein. J'ai peu d'Ultra, mais beaucoup de Rare Reverse. Et Berserkade de Galar, qu'on a déjà. C'est peut-être notre première rare double. Ah ouais, mais ils sont vraiment éclatés par contre. Ouais, c'est vraiment de la merde. Ah ouais, mais ils ont été froissés tous les trucs. Ah ouais, bah c'est dommage. Parce que normalement, elles sont pas ouf, mais. Enfin, ces pochettes sont pas ouf, mais ça va quoi. Elles sont pas froissées. Pas ouf là, du coup. Hein. Franchement. Ah, moi je veux pas tes plaintes. Hein. Oui. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Alors, Monsieur Mime de Galar, Bézi, Poichijon, c'est pas un pigeon d'ailleurs. Dario Marron de Galar, Bibi Chute, une énergie obscure, pardon, je commence à bégayer, j'ai la bouche sèche. Trépassable, Liv, énergie jumelée, Pijaco, un peu comme une reverse, et. Charmini. Ouais. Ok. Pourquoi pas? Ok. Ouais, bon, j'aime bien. J'aime bien, mais. Il a 6 boosters, ça va. Mais je jouerai pas ce Pokémon dans le jeu. Il est pas ouf de cette manière. Donc, Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Non, mais c'est. Le seul truc bien avec ce personnage, enfin avec ce personnage de Pokémon, c'est que. Ce personnage. Bah, il a plein de formes différentes. Du coup, tu peux juste t'amuser à tourner pour le faire évoluer de. Ah, mais sérieux, il a plein de formes? Oui. Alors, je sais même pas. En fonction de l'objet qui tient, du sens dans lequel tu tournes, tu sais, quand tu, okay. Tu peux danser dans le jeu. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vous donne des infos inutiles. Très bien. Alors, nous avons Voltorb qui est assez stylé. Caninos. Fantirm. Je ne connaissais pas son nom. Fantirm. Ouais. Ouais. Oh là là. Et gros, je connais très peu les Pokémon. La révolution de Lansorien, voyons. Oui, ça, je sais. Ok. Bleedy. Opermine. Une énergie. Une pépite. J'espère que la pépite se trouvera dans ce booster. Et ça serait bien. Énergie frayeur. Barloche. Et Ludicolo. Pas dans ce booster, visiblement. Un peu moins bien que Ludicolo X. Ludicolo. Allez, il reste 5 boosters. On garde espoir, les amis. Décidément, je ne suis pas très chanceux en termes d'ouverture de cartes Pokémon. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ça va, il reste encore. On garde espoir et on reste debout. Je reste debout. Wow. Je reste debout. Ceux qui ont la ref, bien vu. Yeah. Donc on a Lixie qui est très mignon. Bien, franchement. Lixie très mignon. Charby, Space, mais mignon aussi. Enfin, ouais, sympa. Ouais, sympa. Ouais, il est sympa. Ouais. Verpon, Baby Chute, Magikarp avec un gros Pikachu en fond. Une énergie électrique, Karatroc, Luxio. Peut-être un Luxray à venir, qui sait. Fermite, Verpom et. Et les câbles. J'y ai cru un peu au Luxray. Ouais, mais non. Ça reste dans le thème, hein, type électrique, après tout. Voilà, après, on va pas non plus chipoter, hein. Franchement. Voilà, allez, on attaque les 4 derniers boosters. Hop. Je bégaye. Hop. Allez ouvrir des cartes Pokémon, faites-vous plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. De toute façon. C'est fait pour, je vous donne les codes, allez vous faire plaisir au bout d'un moment. Bah dites-nous si vous avez des trucs de malade dans les codes. Mais oui, de ouf, c'est ça, si t'as un truc de ouf, tu on vient nous foutre le seum. Exactement. Voilà. Tu sais le genre de carte que toi t'as eu sur le TCGO, mais que nous on n'a pas eu en vrai, tu vois. Voilà. Bref, on y va. Alors, Monorpal, Tritonde, Vostourneau, Corailon de Galar. Oh, quel Pokémon incroyable. Waouh, un truc de ouf. Toxizap, même pas, mec, hein. Énergie combat, énergie jumelée, Hexadron, Pokémon incroyable. Ah, il est bien aussi, hein. Mais, oh, tu fais style, hein. Mascadra. En stratégie, gros, je t'ai fait une Pokémon. Smogodiala, qui est une rare.
au Rare Reverse. Holo, je ne sais pas. Et. La consécration, monsieur. La consécration. Oui. Une gold. C'est une gold, je suis content. Lourd. Je suis très. On prend ces pochettes là, elles sont dégueulasses, les autres là, ça m'aide pas. Ouais. Lourd. Hop, hop, hop. Ah ouais, très stylé. Ok, et ben allez, une petite gold. Ok. Elle est pas en état parfait, elle a des petits points blancs. Mais c'est pas grave. C'est une holo. Elle? Oui. Non, Smogo. Smogo, go, ok, bon, très bien. Allez, ça part sous pochette moche. Ouais, pochette moche, allez. Allez, pochette moche. Hop, et ça, ça part sous top loader. Voilà, voilà, allez, des... Une petite ultra, une gold carrément, tu vois. C'est... Allez, on est bien, ça fait plaisir. Bah voilà, t'as pas besoin d'autre chose, hein, c'est bon. Hein. Si, si, j'ai besoin de beaucoup encore. Une rainbow peut-être. Une rainbow, allez, pourquoi pas une petite rainbow, ça ferait plaisir. Bah bon. On continue. Voilà, là, ça. Là, tu vois, ça fait du bien au moral direct. Bien sûr. Ça fait du bien au moral. Hop. On va voir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Alors, on a Verpom, Darumaron, Sapero, Goopix, Brocélum, une énergie électrique, Chrysapile, Karatroc, Guido, Smogo de Galar en Holo Reverse et Fulgudog. V. 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 Fulgudog V. Nice. Ah, très bien, je suis content. Voilà, tu vois, la chance se met enfin à tourner un peu. Je suis content. Hop, entre. Nickel. Voilà, une gold NG d'affilée. Ben voilà, là tu vois. Ça devient ok. Ça devient bien. Ça devient bien, tiens. Ça, c'est ça là-bas. Ah oui, putain. Hop. Ouais, bon. Voilà, laisse ça avec. Tiens, on va pas la mettre sous pochette. C'est pas très grave. Ben, je suis content, hein. Ça y est, ça, on se réveille un peu. Allez, une rainbow maintenant. Une rainbow. Une V-Max. Hop, voici. Voici. Merci, monsieur. Pas de rien. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bien sûr. Hop. On commence avec Opernine, Darumaron de Galar, Goopix. On commence à avoir fait le tour un petit peu des communes, mais on n'avait pas créé une, il me semble. Si. Ah bon. On l'a eu plein de fois. Mais. Très bien, ok. Chut. Canard Chichot de Galar, une énergie feu, énergie frayeur. Oula, je suis peur. Heureusement que tu t'es pas spoil la dernière. Batrachné, Fourbelin, Dolman, qui est une holo. C'est une holo reverse encore. On a déjà en holo. Oui. Et Golgopath. Ok. En rare. Très bien. Et t'as un don pour avoir des holo reverse et juste des rares. C'est fou ça. Ouais. Tu veux pas juste avoir des holo et tu veux une pochette, c'est ça? Comme tu veux. Ouais, de toute façon, vu la gueule des pochettes, ça coûte rien. Mm. Ouais, je ne sais pas pourquoi, comment. Pourquoi elles sont si dégueulasses? C'est ça la question? Ah! Oui! Oui! Voici. 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 Oui. Oui. Et il valait pas vous. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on arrive au dernier booster. The last one. The last one of the ETB. Yeah. ETB. Ok. Hey, trainer box. Donc on commence avec Charby, Mélofée. Alors, il est magnifique le Mélofée. Excuse-moi de te couper, hein, mais il est vraiment très beau. J'ai pas. Ouais. Ah bah oui. C'est vrai que maintenant que je le regarde, je l'ai même pas regardé. Juste la dernière carte en fait. Je te jure, je veux trop un autre truc encore. ouais, là je suis passé dessus. Ouais, Mélofée qui est vraiment mignon. Pour le coup. Cette fois c'est adapté. Celle-là, oui. Moufouette, ouais, trop mignon de ouf. L'exemple d'une carte qui n'est pas mignonne. Voilà. Exactement. Voilà, Voltorb qui est stylé. Oui. Pour un Voltorb. Pour un Voltorb. Tyranor. Ouais. Une énergie psy. Chrysacier qui n'est pas stylé pour un Chrysacier. Dégueulasse. Bandana brûlant, Liv, Barloche et. Et Lucanon, holographique. Très bien. Nice. Ça fait au moins une holo que t'as en holo, quoi. Une holo que j'ai en holo. C'est pas juste en reverse. C'est clair, ouais. Bon, bah au final, là c'est pas mal ce qu'on a eu quand même. Pardon, monsieur, excusez-moi. Non, j'avais de les passer après, c'est pas grave. Ouais, je sais, je sais. Alors, résultat, ouais, on a eu, hop, tout ça. Alors, on a eu le Fulgudog V.
très sympa. Et la grande amulette en gold secret. Donc voilà, on est plutôt bien avec ça, hein, franchement. Et après... Alors si je peux me permettre, j'ai quand même eu une meilleure ouverture que toi, malgré ça. C'est vrai que là, c'est pas mal ce qu'on a eu. Mais j'avoue qu'Asato, il a encore eu mieux sur son ouverture de l'ETB Zacian. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Car ça régale. C'est doux, ça régale. Au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc derrière ça, on a quand même, enfin tout de même eu... encore un Lucanon holographique et une, deux, trois cartes holo reverse. Donc c'est sympa. Comme quoi, j'ai eu que deux, seulement deux rares classiques. Voilà. Voilà, on est quand même sur une bonne ETB là. Ah non. Si. Bah non, t'as pas eu de rares classiques. Parce que c'est des reverse. Il est con lui, je suis con. Putain. Allez, c'est pas grave, on s'en fiche. Du coup. et bah vivement la prochaine ETB. Bien sûr. Voilà, dans 3 mois je dirais. Ouais, quelque chose comme ça. Un truc dans le genre. Bref, si la vidéo vous a plu, lâchez un like, un commentaire, dites-moi, enfin dis-moi, parce que les codes ce n'est que pour une personne, dis-moi ce que tu as eu dans les boosters que tu as ouverts en ligne. Si tu as eu des choses intéressantes, ça nous intéresse. Partage la vidéo à tes potes, partagez tous la vidéo à vos potes. Allez vous abonner à la chaîne d'Asato, il fait des vidéos. Très sympathique. Et franchement, il a plus de chance que moi. Ça dépend. En général, oui. Après, il y a eu des vidéos où... Mais ça, c'est toujours. Oui. Toujours plus ou moins, au final. Abonnez-vous à la chaîne de Nex, parce que c'est sa chaîne sur laquelle nous sommes, quand même. Effectivement. Il faut dans s'abonner. Le décor d'Asato-kun. Dans mon décor, effectivement. Et oui. Décor que t'as inversé. Mais faut m'en croire, c'est pas... Moi, j'aime bien. Aïe, aïe. Écoutez, à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. C'était Asato et Nex. On vous dit à très vite. Ciao. Ciao.